Oui, c'est un honneur pour nous d'accueillir un tel événement, de vous accueillir en espérant que la première journée, pour ceux qui étaient présents hier, a été autant studieuse qu'agréable. En tout cas, je vous remercie les uns les autres de m'avoir fait part de vos remarques élogieuses sur la ville, sur différents aspects de notre commune, donnant ainsi encore plus de légitimité aux nombreux travaux que nous avons réalisés. Certes, nous avons encore beaucoup de travail, beaucoup de rénovations à entreprendre, mais nous avons plaisir et nous garderons ce plaisir à recevoir. Et croyez bien que toute l'équipe municipale déploie toute son énergie et sa motivation pour rendre cette ville encore plus accueillante. Alors cela me donne la transition avec le thème du jour. Le mot-clé de cette journée n'est-il pas le territoire? Pour l'élu, l'aménagement du territoire, pour qu'il soit agréable à nos concitoyens, est une priorité, une question cruciale, de façon à le rendre attractif. Et justement, l'offre de soins, tant à l'hôpital qu'en ville, a toute son importance dans l'attractivité d'un territoire. Et je le crois sincèrement au même titre que les activités culturelles, sportives, etc. De plus en plus, d'ailleurs, nos concitoyens regardent cette offre de soins avant de s'implanter et d'investir sur un territoire. C'est la raison pour laquelle les élus qui veulent dynamiter... Excusez-moi pour ce lapsus que j'espère vous ne répéterez pas à Monsieur le maire ce soir. Je voulais dire les élus qui veulent dynamiser leur territoire ne peuvent s'en détourner de l'offre de soins. C'est la raison pour laquelle de plus en plus d'élus et de collectivités s'engage sur une politique locale de santé. Eh bien, c'est le cas à Dole et sur le Grand Dole depuis 2014. Notre député-maire à l'époque, Jean-Marie Sermier, a beaucoup œuvré pour développer un certain nombre d'actions importantes dans le domaine de la santé à Dole. Je ne vais pas, bien entendu, détailler les actions menées, tous les relais de campagnes de prévention que nous effectuons, que nous avons fait, les projets en cours. Je préciserai toutefois que nous avons établi, dès le départ, une relation cordiale et constructive avec la direction de notre hôpital. Je rends hommage, d'ailleurs, à notre directeur d'hôpital, à M. Luigi, avec lequel nous avons cette relation constructive et régulière. Et nous apprécions beaucoup ce dialogue. Il est très important pour assurer, tout simplement, au sein de notre bassin d'Aulois, une offre de soins de qualité. Ainsi, l'action des élus ne peut se limiter à leurs seules interventions. Ils ne peuvent élaborer cette politique locale de santé qu'en étroite concertation avec les professionnels locaux de santé. Un soutien mutuel, un véritable binôme, est indispensable pour la réussite des projets. La politique locale de santé s'inscrit dans un projet plus global, national, des stratégies, des objectifs définis en haut lieu sur lesquels il faut parfois intervenir. Mais cela, l'élu local, les professionnels locaux ne peuvent le faire à eux seuls, à leur niveau. C'est là que les organisations représentatives, telles que la Fédération hospitalière de France, trouvent toute leur utilité. Sans elles, bien des choses ne seraient pas possibles. C'est la raison pour laquelle la ville de Dole et le Grand Dole les accueillent avec bienveillance et vous accueillent avec bienveillance aujourd'hui pour aider du mieux que nous le pouvons dans tous les travaux, dans ce but principal d'une bonne organisation, d'une bonne politique locale de santé. Le vœu que je formule pour terminer, c'est que nous puissions tous, nous tous, élus, collectivités, organisations représentatives, établissements médicaux et médico-sociaux, professionnels de santé libéraux, je me fais aussi au passage le porte-parole de mes collègues, médecins de ville qui doivent aussi être unis dans toutes ces actions, j'ajouterai tous nos partenaires associatifs qui sont nombreux et qui œuvrent de façon remarquable au sein des cités, sous l'égide bienveillante, bien entendu, de l'ARS, mettre donc toutes nos compétences en commun au service de la santé de nos concitoyens. La Fédération hospitalière de France et toutes les organisations représentatives trouveront toujours à Dole
une oreille attentive, car notre objectif commun reste et doit rester le même, le bien-être des habitants sur leur territoire. Je vous souhaite une excellente journée.